Ah bah là, c'est VIT total underground, voire même pirate. C'est extraordinaire. Tu vas souvent au concert? Oui, dès que je peux. Sinon, je fais pas mal de concerts en chambre, c'est-à-dire sur mon ordinateur avec des méga enceintes. Et j'écoute sur mon lit, et c'est parfois plus agréable que les salles de spectacle où je trouve aujourd'hui est un lieu où les gens puisent beaucoup trop d'énergie et on nous ressort plus vidé qu'on est arrivé. Donc c'est un peu triste. Ça nourrit plus. Une affection particulière pour Michel Legrand, tu me disais? Ah oui, oui, c'est une des musiques les plus oniriques que je connaisse et une des plus et sentimentales. Et en même temps, c'est très très mélodieux, très merveilleux. Et ça flirte entre le jazz, le classique et la variété. Mais une variété très élégante, élitiste. C'est un bonhomme qui a fait un travail et une œuvre extraordinaire. Quand on regarde tout ce qu'il a fait dans sa vie, il a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé, et avec talent, voire même génie dans certaines de ses œuvres, on peut le dire. Ah oui, c'est quelqu'un qui t'emmène dans un rêve, vraiment. C'est vraiment un voyage, et onirique, comme pouvait être Ravel, Debussy, ou certains musiciens qui emmenaient les gens dans les rêves. Voilà.